Désolée pour si je suis coiffée, mais aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes applications sur mon iPod 4. Je sais que j'avais déjà fait cette vidéo-là, ben mon iPod 5, en tout cas, je sais pas, mais bon. C'est ça. Je qualifierais pas ça vraiment comme une coque, mais je vais vous présenter mes coques en premier. Ça. C'est genre en élastique, puis tu détaches le chose, puis tu mets ton iPod dedans, ou ton iPhone. Je conseille, c'est Craft Life qui fait les vidéos comme ça, je conseille d'aller voir, même si ça parle en anglais, moi, je comprends pareil. C'est super génial, c'est très pratique pour faire des choses. La pochette qui est une vraie pochette pour iPod que j'ai, c'est celle-là. Oups. C'est celle-là. Fait qu'il y a un trou pour le signe, la forme. Je sais que c'est comme décoloré là. C'est juste un genre de la peinture collant, genre. Puis genre quand tu frôles ça là, ça frôle. Quand ça frôle, ben c'est pas vraiment pratique, ça enlève, la couleur s'enlève. Mais sinon, elle protège super bien. J'ai jamais de problème, c'est juste la couleur là encore. Mais ça commence à jaunir, fait que je devrais en acheter une autre. Une coque que j'ai faite ce matin, c'est en élastique. Voilà, mes petits couleurs là. Les couleurs, je trouve que c'est super beau, ça fait un beau dégradé. Puis j'ai rajouté un petit chat que j'ai fait. Comme ça, je pourrais vous montrer comment faire dans une de mes vidéos. Je vais vous présenter maintenant. Il y a des questions qui m'ont été posées que j'ai écrites, mais je sais pas où ma feuille. Je me rappelle un peu par cœur. C'est quoi la marque de ton portable? Alors, c'est pas un téléphone, c'est un iPod 5. Parce que je l'ai eu hier. Dans mon autre vidéo, je l'avais pas eu. Je m'avais trompée avec le iPod 5 et l'iPod 4. J'ai juste eu l'iPod 4, l'iPhone 4, mais pas l'iPhone 5. J'ai l'iPod 5. As-tu déjà commencé par SMS? Tout simplement non. Je sais pas pourquoi du monde qui m'ont posé cette question. C'est vraiment juste bizarre comme question. Une autre question qui m'a aussi été posée beaucoup. Quelle application utilises-tu le plus? Alors, mes applications que j'utilise le plus. Attendez, je vais monter la luminosité. On voit presque rien. Alors, j'ai enlevé ma. Non, je vais la garder, ma pochette. Ah, oh, pourquoi je l'ai fermée? J'ai la page de couverture. En bas, il y a juste une application que je me sers. C'est Message, ma petite bulle. J'ai Réglage aussi que je me sers beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose, genre. Vous avez Réglage, là? Je vais enlever ma pochette, tout ça, voilà. Il y a un réglage, puis là vous avez général, vous pèsez dessus, général, là vous descendez au max, c'est ça, vous descendez au maximum, vous allez dans accessibilité qui est là, vous pèsez dessus, il va avoir inversé les couleurs, puis là vous faites le truc, inverser les couleurs, je vais le faire là. Inverser les couleurs, voilà, ça vous donne l'inversation des couleurs. Ça fait super beau, je trouve. Ça. Météo. Pour savoir la météo, parce que l'été, il y a des températures vraiment bizarres. Fait que, je vais voir. Skype. Skype Wi-Fi. Twitter.
iTunes, Shazam, Amazon, Norman, Cyprien. Dans les jeux que j'utilise le plus, c'est Candy Crush, Minecraft et 8 Ball Pool. C'est un jeu qui est super le fun. Là-dedans, Heyday, Springfield. Là, j'ai aussi. Ah non! Puis des fois, c'est rare, mais c'est pas dans les applications que j'utilise le plus, là. C'est les trucs de grand-mère. Les couleurs, ça fait bizarre, mais j'aime ça, moi, je trouve. Les trucs de grand-mère. Ça le fun quand, genre, mettons, t'es malade, là. Tu veux savoir quel remède qui va le plus vite pour guérir ton rhume, quelque chose du genre, là. Vraiment un bon truc, là. Tu vas voir là-dedans, si t'es maman, là, tu vas voir là-dedans que. C'est ça. Alors, puis y'en a qui m'ont posé aussi la question, c'est quoi tes fonds d'écran? Je pense que je vais changer les couleurs attendez un peu. Le fond de déverrouillage. C'est mon chat que j'ai pris en photo proche comme ça. Il est super belle, je trouve. Cute comme tout. J'ai mon fond actuel que j'ai. Ah oui. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je l'ai pris sur une application. Cocopa. You Wild and Free. Voilà, super, super beau. Je trouve. Puis les applications que j'ai. J'ai kiosque. Attends, je vais vous mettre dans. Kiosque, calendrier, contact, note iTunes, Apple Store, appareil photo, réglage, FaceTime, horloge, mail, calculette, météo, game center, dans l'insultat. Bourse, rappel, vidéo, plan et passbook. En bas, j'ai message, photo, Safari, musique. Safari, Skype, Skype Wi-Fi, Twitter, traduction, iTunes. iTunes, dans le fond, ça consiste, vous avez là, vous pouvez prendre les chansons que vous voulez, vous allez dans recherche, là, la page qui apparaît au début. La page qui apparaît au début, vous choisissez une chanson, vous écrivez le titre de la chanson dans la barre de recherche. Puis là, ça va vous l'apparaître, c'est gratuit. Vous avez même les vidéos qui viennent avec, mais je trouve que les vidéos c'est un peu innécessaire, mais moi j'aime ça pareil regarder les vidéos. Puis en même temps, ça vous fait comprendre là, aussi. Si la vidéo est en anglais, ça vous fait comprendre. Ou si vous n'êtes pas très bon en anglais comme moi. Puis c'est ça. Ah ouais! On est en train de Dictaphone, Shazam et Amazon. J'ai Norman Cyprien dans le jeu. J'ai Mental Puzz 1, Mental Puzz 2, Free Ninja Freaking Crush, Fermi Row, Minecraft PE. Jetpack, 8 Ball Pool, Temple Run 2, Subway Surf, Banana Cone. J'ai Heyday, Springfield, Minion Rush, Plant vs Zombie 2, Mega Photo, CamWow, Pro CamWow, Truc. Vous pouvez même avoir du truc de beauté, je l'avais pas vu ça. Truc et Wallpaper.
Alors c'est tout pour mes applications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre plein de j'aime, à vous abonner. J'ai juste 4 abonnés. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup. Alors, continuez de vous abonner. C'est ça. Mon chat vous fait de gros bisous. Même si ça dort, là. C'est une grosse tormeuse. Pis c'est ça. Alors, mettez plein de j'aime. Alors, je vous reparle dans une prochaine vidéo. Bye!